De la musique pour ta maman. Allez, mon chéri, essaie. Regarde, chérie, tu tournes et ça fait clic-clac. C'est drôle, hein? Bruno est gentil. Bruno va faire clic-clac. Bruno est grand. Non, mon chéri, ne mets pas dans ta bouche. Oui, je sais, tu as faim. Mais tu vas manger, mon petit ange. Une bonne petite purée avec le jambon. Un grand jus de pomme. T'es content? Ouh, Suzanne! Salut! Bonjour! Fais attention! Mais où est-ce que tu étais passée? Nous sommes allés voir les parents de Burt à Santa Barbara. Je me suis fait du souci, tu aurais pu me le dire. Je t'ai téléphoné, mais tu n'es jamais chez toi. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est vrai, Tania, j'ai été très occupée. En fait, je cherche du travail. Ah oui? Il y a longtemps? Est-ce que tu en as trouvé? Non, non, pas encore, mais j'espère que ça ne tardera pas. Ne t'en fais pas, avec tes références, ça va s'arranger. Je l'espère, parce que Jack a des crânes pour l'avenir. Et ton fils, comment va-t-il? Il va bien. Je vais le ramener à la maison pour déjeuner. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Avec joie, mais je suis pressée. J'ai rendez-vous avec Bert. Remettons ça la semaine prochaine, tu veux? Mais où est-il? Ici Bill Sullivan. J'appelle les gardes-côtes. Gardes-côtes, quelles sont les prévisions météo? Oui. Oui. Bon, mais merci beaucoup. À vous, terminé. Tu vas te casser la gueule avec ça! Quand tu devrais faire attention!
Est-ce que t'as vérifié le moteur? J'ai d'abord mangé un morceau. Tu veux un sandwich? Pas maintenant, non. Comme tu voudras. Tu ne manges presque rien. C'est la bière qui te fait prendre une brioche pareille. Et t'occupe pas de ma brioche, ma femme s'en charge. White embrasse mieux que moi. Bien sûr qu'elle embrasse mieux que toi. Sally Oppenheimer aussi. Même cette tordue de Melinda Gomez embrasse mieux que toi. C'est horreur. Tu plaisantes? Elle est mec comme un clou. Oh, mais m'embrasse pas dans l'oreille, j'aime pas ça. Tu me connais quand je suis amoureux, je peux pas me surprendre. Non, je déteste ça. Laisse-moi faire au début de arrête, c'est mal. Je veux dire aux copains, tu fais des choses. Oh merde, ma canne à pêche! Débile. Je l'ai vu ce matin. Je me suis même moqué de sa brioche. Et maintenant, c'est un squelette. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? L'autopsie nous le dira. En attendant, évitons de faire des commentaires si c'est possible. Les gens sont assez bouleversés comme ça. Ah, voilà, Turner. Ce sera difficile de faire taire un journaliste. J'étais en train de regarder ce qui reste du petit Bruno Hopkins quand on m'a dit qu'il y avait eu un autre accident. Aussi inexplicable, 2 heures après. Ouais. Qui est sous la bâche? Bill Sullivan, je crois. Je peux jeter un coup d'œil? Vas-y. Mais avant, je te conseille de respirer un bon coup. Seigneur, c'est incroyable. Ouais. Il n'a plus que les os. Ouais. Et les os. Et alors? Alors quoi? Est-ce que tu as une idée? Non, je ne sais même pas par où commencer mon enquête. Je regardais les travaux qu'ils font dans le port. Vous avez vu les énormes machines qu'ils ont amenées? Et les tuyaux mobiles énormes qui se croisent et qui descendent jusqu'au fond de l'océan. Ils aspirent les pierres et les roches et les rejettent derrière eux. Peut-être que Bill a été aspiré par un de ces machins. Et le bébé? Ça, c'est différent. Le bébé ne se trouvait pas du tout du côté des travaux. Oui, en effet, c'est vrai. Turner, rends-moi un petit service. Ne monte pas trop cette histoire quand tu écriras ton article. Tu veux bien? Évite les circonstances mystérieuses et événements étranges, etc. Mais tu peux écrire, par exemple, cause du décès indéterminé, d'accord? Il ne faut pas qu'on en parle trop ou je vais avoir ici toute la population. Et j'ai besoin d'être tranquille pour savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé? Ce qui va se passer, je vais te le dire, on est en plein cauchemar. Ned! Ned! Oui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as allumé partout? Oh, mais tu as travaillé toute la nuit. Oh, tu n'aurais pas dû. Maman te disait toujours que c'est mauvais pour tes yeux. Et à toi, elle te disait de te méfier de l'alcool. Je ne vois pas ce que l'alcool vient faire ici. Tel que je suis, j'inspire encore la passion. Dis-moi, qui as-tu séduit hier soir? Frank Leonetti. Tu sais, le barman qui travaille avec Christine au Vénus. Il est si jeune, si beau, si viril, si italien. Ça ne te passera donc jamais. Jamais. Ou bien peut-être quand mes cheveux seront devenus gris comme les tiens. Mais cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu penses d'un petit cocktail, hein? Non, c'est... trop tôt ou trop tard, mais c'est pas l'heure. Tu sais que... Frank a une sœur. Frank a 2 sœurs. Aussi tartes l'une que l'autre. Très bien. Tu sais, moi, ce que j'en disais. Je n'ai pas dit que tu devais l'épouser.
Pourquoi ai-je l'impression que nous avons déjà eu cette conversation il y a 40 ans? Parce que nous l'avons eue. Nous l'avons eue ici même, dans le salon où nous nous trouvons, assis par terre derrière le divan. Tu te rappelles bien, on parlait à voix basse pour que papa et maman n'entendent pas. Est-ce que tu penses qu'ils nous entendent encore? Pourquoi pas? Et ils sont sûrement en paix, parce que nous continuons à nous occuper l'un de l'autre. Et après tous ces mariages et ces divorces, le frère et la sœur se retrouvent. Nous sommes encore une famille. Ned, la nuit a été dure? Plutôt, oui. À quoi travailles-tu? Je cherche des explications qui ne se trouvent apparemment pas dans les bouquins que j'ai ici. Des explications? Que veux-tu savoir? Ce qui se passe au fond de l'océan. Mais où est donc Tommy? D'habitude, à cette heure-ci, il est déjà debout. Il réclame son déjeuner à corps et à cri. Tu sais, maman disait que tu ne faisais qu'un repas à son âge. Mais Tommy est très différent de toi. Il mange comme un ogre, et trois fois par jour. Je meurs de faim. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Non, 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 pas question. Tu vas me transformer la cuisine en chantier. Je vais le faire. Mademoiselle, appelez-moi Monsieur Corey, je vous prie. Corey. Oui. Oui, oui, je suis au courant, mais je ne vous appelle pas pour ça. Il faut que je vous voie d'urgence. Oui, aujourd'hui. Je ne veux pas le savoir. Venez immédiatement. Pourquoi est-ce que j'apprends par le journal ce qui se passe dans ma firme? Vous pouvez me l'expliquer? Hier, Ned Turner est venu et a posé toutes sortes de questions, mais je ne sais pas... Quel genre de questions? À propos des travaux sous-marins. Pourquoi s'y intéresse-t-il? Oh, je n'en sais rien. C'est un journaliste. J'imagine qu'il fallait qu'il fasse un article sur quelque chose. Pourquoi ne me l'avez-vous pas envoyé? Parce que je n'ai à aucun moment jugé cela nécessaire. J'ai pensé que c'était inutile, que vous aviez beaucoup mieux à faire que de perdre votre temps avec un journaliste. Ce n'est pas uniquement de la curiosité, j'en suis certain. Y a-t-il quelque chose de vrai dans ces insinuations? Non, absolument rien. Cela m'étonne de sa part. Pourquoi toutes ces accusations s'il n'y a rien de vrai? C'est un homme honnête. Il l'était, mais peut-être qu'il a changé avec l'âge. On a vu pas mal d'hommes changer au cours d'une existence. Un petit conseil, Corey. Je ne tolérerai pas qu'un de mes employés, en parlant de façon inconsidérée, ternisse la réputation de ma société. Une réputation mondiale de compétence et de sérieux. Est-ce clair? Très clair. Incroyable. Regardez le crâne. Et alors, le thorax, c'est quelque chose. Il n'y a plus un seul cartilage aux articulations, rien qui puisse maintenir l'ossature. Et à l'intérieur même des os, il n'y a plus de moelle. On dirait qu'elle a été aspirée. Bon. La radio dentaire confirme qu'il s'agit bien de Bill Sullivan. Mais comment est-il mort? Je paierais cher pour le savoir. Ah, nous aimerions tous savoir comment. Désolé, mais les journalistes ne peuvent pas assister à une autopsie. Je sais, je ne resterai pas longtemps. Est-ce que l'enfant a eu la même mort que Sullivan? Oui, exactement. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Je suis tout à fait incapable de vous en dire plus pour le moment. Il me faut regarder ça plus à fond. Croyez-moi, messieurs, il s'agit d'un monstre sans aucun doute, un monstre inconnu, diabolique. Intéressant. Serais-tu océanographe pour porter un tel jugement? Non, mais je connais le meilleur océanographe. Si tu veux parler de Monsieur Gleason, deux de ses meilleurs plongeurs vont venir étudier les effets sous-marins des travaux en cours. C'est une décision très raisonnable. Quand arrive-t-il? Demain après-midi. Il faudrait faire vite. Je n'attendrai pas que les hommes aient plongé. Je vais aller voir Gleason en personne. Turner,
Laisse ton porte-plume dans ta poche. Eh bien, c'est entendu, je ne le ressortirai pas. Sans ton accord. Attrape, mon joli. Encore un. D'être aussi gentil, Mike. Et ils le sentent et ils en profitent. C'est vrai, tu as raison. Mais quoi que je fasse, ces épaulards ne connaissent que toi et n'obéissent qu'à toi. Ne te décourage pas, continue, tu réussiras. Un excellent numéro. Très drôle, leur mimique. Très drôle, mais ils ont d'autres qualités. Ce qu'on sait moins, c'est que grâce à eux, il est probable que la mer n'aura plus de mystère pour nous. En attendant que ce jour arrive, ne voudriez-vous pas vous occuper de notre propre mystère? Oui, je suis au courant. L'Institut océanographique m'a téléphoné hier et j'ai envoyé deux de mes meilleurs plongeurs pour qu'ils inspectent la zone. Vous me décevez beaucoup. Vous avez la réputation d'être un homme qui prend des risques. Tous les risques. Qui est-ce qui a dit ça? Time Magazine. Un petit gars sorti du ruisseau brillamment parce que merveilleux nageur. A franchi des obstacles, monté sur le dos d'un poisson. Drôle de façon de parler d'un océanographe. Vous allez plonger? Bon, je le voudrais. Mais c'est comme si vous demandiez à ces épaulards de combattre sans leurs dents. Je ne comprends pas, expliquez-vous. Il y a 2 mois, j'ai eu un accident. Je suis resté trop longtemps sous l'eau. J'étais là, je peux donner tous les détails. Ma femme, Vicky. Ned Turner, un journaliste. Me raconte-lui. Fais attention, Jack, ne la brutalise pas, sinon on va se faire engueuler. T'inquiète pas, il n'arrivera rien à la bécane. Allons-y, allons-y, vite. Signaler John, on vient de contrôler la pression. Tout va bien. 20 mètres. Hey, Franck, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent les mecs là-haut? Ils sont dingues. John, on est drôlement secoués, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Ici, rien à signaler. 25 mètres. Je me demande pourquoi Corée voulait nous graisser la patte pour qu'on ne descende pas. 28 mètres. Mais t'occupe pas de Corée, on s'en fout. 32. On n'a rien à voir avec lui. 35 mètres. Je suppose que ces travaux sont un peu secrets sur le plan technique. On fait ce qu'on a à faire, puis ensuite on part quelques jours à Mexico avec 2 nanas. Et puis on fait la bringue, d'accord? 40 mètres. 45 mètres. 50 mètres. Allez, on y va.
Vous m'entendez? John! Remontez-moi! Mais qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Remontez-moi vite! Michael! Viens ici, il est arrivé quelque chose! Faites vite! On va vous remonter, tout ira bien. Remontez! John! Hé! Hey! Je n'ai rien pu faire pour Frank! Il a été comme aspiré. Comment? Moi? On vérifiait les câbles. Et tout à coup... Ah, il a été... Qu'est-ce qui se passe? Tout s'éteint. Câbles! Le générateur. Remontez plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Remuez-vous un peu, Lagrange. John, mais dépêchez-vous, mon Dieu! Monsieur Corée. Bonjour, Monsieur Turner. Je vous ai appelé plusieurs fois. On m'a dit chaque fois que vous étiez absent. Je le suis toujours, pour vous. Ah, c'est ennuyeux. J'avais quelques questions à vous poser. Et entre autres, celle-ci. Ne pensez-vous pas que vos travaux en cours ont un rapport avec ces morts? Whisky avec de la glace. Un double, s'il vous plaît. Vous êtes nerveux, il me semble. Ça va pas? On ne peut donc prendre un verre que si on est nerveux, selon vous? Ah, bah oui, si on boit jamais. Je viens assez souvent ici. C'est la première fois que je vous y vois. Je suis prêt à parier que vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Ah oui? Avec qui? Will Gleason et sa femme. Je sais même qu'ils arriveront cet après-midi. Turner, nos travaux n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé. Et je vous prierai de vous occuper de ce qui vous regarde. Le port est à tout le monde et croyez-moi, vous ne m'éviterez pas. Les verres sont pour moi. Et maintenant, si on parlait de choses sérieuses? J'aurais voulu inscrire les deux chérubins qui sont ici pour les régates. Lui, c'est mon fils, Tommy. Et voici son petit copain, Jimmy. Vous trouverez le règlement dans cette brochure. Et c'est 5 dollars chacun pour l'inscription. 5 dollars chacun? Oui. Oh. Voilà. Leur nom de famille, s'il vous plaît. Ah oui, Tommy Frascati. C'est fou, j'oublie toujours que mon second mari était italien. Lui, c'est Jimmy Doherty. Oui, Doherty. Avec CH, c'est bien ça? Doherty, oui. Bien.
Et surtout, n'oubliez pas que vous devez être à Solana Beach 24 heures avant le départ. Il faut vraiment y être 24 heures avant le départ? S'il te plaît, maman. S'il vous plaît, Madame Turner. Entendu. On y sera. Je n'y suis jamais allée. C'est à une centaine de kilomètres, n'est-ce pas? Oui. Et voici les formulaires qui doivent être remplis par les parents, leur donnant l'autorisation de participer à la course. Oui. Et ça, c'est pour vous. Merci, vous êtes gentille. Des t-shirts. Je suis très embêtée. Je ne sais pas si je pourrai voir la mère de Jamie. Elle travaille tard le soir. Ce que je peux, c'est lui glisser sous la porte et vous le rapporter une fois rempli. Mais oui, madame, c'est ça. La course a lieu en pleine mer. Vous êtes au courant? Oui. Nous avons déjà une cinquantaine d'enfants inscrits. Il y aura énormément de monde. Ah oui. Alors bonne chance et soyez prudents. Je n'aime pas ce genre de compétition. Pour être sincère, mon sport, moi, je le fais sur un matelas douillet. Au moins, on sait à quoi se raccrocher. Avez-vous une réservation au nom de Will Gleason? Oh oui, la voilà. Merci. Votre clé. Oh, pardon, monsieur. Il y a quelqu'un qui vous attend au bar de l'hôtel. Qui est-ce? John Corey, un des directeurs de la société Trojan. Mes hommages, madame Gleason. Bonjour, monsieur Turner. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Réfléchissez, il y a souvent crime derrière toute grosse fortune, selon l'adage. Oui. Vous croyez qu'ils peuvent être impliqués dans ces... Je ne serai pas long. Oui, chérie. Ne reviens pas me casser les pieds avec ces travaux. Ces travaux sont une nécessité. Je n'ai rien contre ces travaux. Je ne suis pas ici pour t'ennuyer, mais pour t'aider. Je me demandais s'il était possible que les détecteurs de son soient mal placés. À moins que... C'est ça, à moins que, peut-être que, il est possible que tu m'emmerdes avec tes possibles et tes à moins que, tu sais. Trouve autre chose. Le bébé Bill Sullivan, présentait-il les mêmes caractéristiques que les... Que les plongeurs, en effet, ça c'est une certitude. Seuls deux hommes se trouvaient dans l'eau. Oui, mais pas le bébé. Nous savons exactement où était sa poussette. Elle était à plus de 3 mètres du rivage. Cet enfant avait 10 mois. Il n'a pas pu sauter tout seul dans le jet. Quelqu'un a dû l'aider. Roberts, il est impossible qu'il n'y ait rien de commun entre ces différents accidents. Nous sommes absolument certains que la disparition de l'enfant a eu lieu un petit peu avant 11 heures, sa mère nous l'a dit. Pour ce qui est de Bill, quand Jack l'a entendu tomber, il était autour d'une heure. Et je peux te donner également l'heure de la disparition des deux plongeurs 24 heures plus tard. Ils étaient en contact avec leur bateau, je suppose. Je veux dire, ils avaient un contact par fil, non? Bien sûr, voyons. C'est ce qui se passe quand ils vont voir en bas l'état des câbles et du matériel. Mais le bébé... Qu'a-t-il pu se passer? Il n'y a aucun lien entre eux. On n'avait rien signalé sur la route de la côte. D'ailleurs, le chauffeur de taxi l'a confirmé. Il n'a reçu aucun message radio de son central pour quelqu'un de par là. La radio. La radio. C'est ça, le point commun. J'ai un principe dans la vie. Ne pas acheter des jouets qui coûtent une fortune. Pourquoi tu ne te passionnerais pas pour des choses moins coûteuses? Comme le modelage ou le ping-pong. Ces takiwaki sont terribles. Tu pourras nous parler de la côte. Si tu crois que je vais me gêner, tu te trompes. Quoi? Encore? Ça fait 6 fois depuis 1 heure. Vas-y, tu sais où c'est. Tommy, dis-moi pourquoi ton copain Jamie a toujours envie de faire pipi. Il est excité par la course. Excité? Écoute, tu dois me promettre quelque chose. Que tu prendras soin de Jamie. Il a 2 ans de moins que toi, et puis tu sais qu'il n'a pas fait tellement de voiles jusqu'ici. D'accord, maman. Et tu dois me promettre encore autre chose. S'il fait un peu de vent ce jour-là, vous partirez sur le même bateau. Tu promets? Je te promets. C'est un amour. Tu es un génie comme ta maman. Je suis un bon marin, tu sais. Si je pouvais venir sur le bateau avec vous, on gagnerait sûrement. Oui, mais il faudrait une tornade pour faire avancer le bateau. Tu oublies à qui tu parles. Plus une maman est potelée, plus il y a à embrasser. Oh, écoutez-le, tout le baratin de son père. Jamie? Ah, est-ce que ça s'est bien passé? Eh bien, mon garçon, un ou deux dans ton genre et toutes les rivières du coin vont déborder. Ah. Oh, mon Dieu. Venez, fini les folies, vous me ruinez.
Vicky, qu'est-ce qui ne va pas? À quoi est-ce que tu penses? Eh bien, je pensais qu'avec ton métier, je ne pourrais jamais être heureuse. Tu n'es pas raisonnable. Will, dis-leur de monter le dîner et reste avec moi. Chérie, dis-moi que tu veux bien. Je ne veux pas. Oh, je voudrais t'avoir tout le temps. Mais tu m'as tout le temps. Sauf quand je travaille. Oh, allons, chérie. Je sais que tu te fais du souci à cause de moi, mais il ne faut pas. C'est un métier comme un autre, voyons. Mais je sais, c'est ton métier. Will, pourquoi est-ce que tu prends tant de risques? C'est mon côté scout. Je suis restée jeune. Oh, Will, je t'aime. N'y va pas, je t'en prie. Je t'en prie, refuse. Oh, Vicky. Si ça peut te rassurer, dis-toi que j'aime la vie à la folie. Je serai prudent, je ne prendrai aucun... Non, je voudrais te croire, mais en descendant à 40 mètres, tu sais que la pression de l'eau peut te faire éclater les poumons. Très bien. Très bien. Ça peut te faire plaisir, je ne resterai sous l'eau que 3 minutes. Et je n'irai pas au-dessous de 35 mètres. Cela met toutes les chances de mon côté. Tu es d'accord? 3 minutes. Tu es prêt à miser sur ta vie pour 3 minutes. Moi, pas. Je refuse, tu entends? Je ne veux pas te perdre. Tu n'as pas le droit de prendre des risques pareils. Vicky, je t'en prie, essaie de comprendre. J'ai perdu 2 de mes amis à cause de ces travaux. J'ignore pourquoi, j'ignore comment. Mais il faudra bien que je le sache. Je ferai tout pour savoir ce qu'il y a eu. Tout. Salut, Vicky. Salut. Nous allons faire un tour en bateau après le déjeuner. Est-ce qu'on t'emmène avec nous? Tu t'inquiètes pour Will, hein? Bien. Salut, Judy. Il m'a promis qu'il ne descendrait pas au-dessous de 35 mètres et qu'il n'y resterait que 3 minutes, mais... J'ai peur qu'il ne tienne pas sa promesse. Oh, si tu ne veux pas le perdre, il faut que tu fasses des efforts. Tu sais que les hommes détestent les emmerdeuses. Venez donc faire une balade avec nous. Merci, non. Sincèrement, ça ne me dit rien. Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais rester ici, à l'hôtel. Je ne me sens pas bien du tout. Mais allez-y, tous les trois, nous nous reverrons ce soir. D'accord? Ma soeur est comme ça. D'accord. Faites semblant de vous intéresser à vos voisins. Je peux vous dire, en tout cas, que vous, vous m'intéressez. On dirait que c'est ton genre, hein? Hey. Tu devrais surveiller ta sœur. Thank you.
Entendu. Dites-moi où vous vous trouvez. Je ne sais pas. Ça fait 2 heures que nous sommes partis. Il y a une île juste en face. Pouvez-vous nous tirer de là? Oui. Vous inquiétez pas. On va venir vous chercher. Laissez votre radio ouverte et vous énervez pas. Oh, quelle barre. Il va falloir attendre. J'ai une faim de loup. Hé hey. Parce que tu es casse-pied, bon Dieu, j'en ai ma claque des emmerdeurs de ton espèce. Calme-toi, voyons, tu auras une bonne potée ce soir pour te remettre. Et toi, le regarde pas avec ces yeux-là ou je te jure que je l'assomme. Que je meurs si je mange jamais plus d'une montagne sur ce bateau. Jamais, pourtant. Et il rigole pas. Oh, ça va comme ça, hein, va te faire voir. Tout de suite. Adios, amigo. C'est quelqu'un, ce gars-là. On est dans la merde jusqu'au cou et lui, pendant ce temps-là, il va faire trempette. Pourquoi es-tu si odieux? Tu devrais bien y aller aussi, ça te calmerait. Non, j'en ai pas du tout envie. Tu as tort. Avec ton gros ventre, tu ne couleras pas, tu sais. Tu ne veux pas suivre le régime et tu ne fais pas d'exercice. Tu ressembles à un Bouddha. C'est un dieu, ton Bouddha, ma chérie. Bon, eh bien, Dieu se jette à l'eau. Si garde qu'on t'appelle, tu me préviens. Entendu. Ne va pas trop loin, je n'aime pas crier. Ah. Ah. Adias, chica. On dirait un phoque. Collard. Si tu recommences, je te crève les yeux. Mais merde, tu vas foutre la paix, oui. Encore eu, hein? Bravo! Attention, voilà les requins! Avec la foutre! Oh, je vais lui faire sa fête! Thank you.
J'aimerais bien savoir comment tout cela est arrivé. Oui, moi aussi. Il passe des choses bizarres ici depuis quelque temps. Ouais, je suis bien de ton avis. On dirait qu'un météore est tombé sur le canot. Peut-être que Turner a raison. Peut-être que ce sont les travaux dans les fonds marins qui sont responsables de tout cela. Ah, je suis prêt à parier que la société Trojan a employé la haute fréquence bien au-delà de ce qui est permis. Et il apparaît d'une manière évidente que la faune sous-marine est très perturbée. Mais ça nous explique les poissons morts. Ça n'explique pas l'état du canot. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça doit être un céphalopode gigantesque. Il ne peut s'agir que de ça. Tu croyais que tu pensais au requin? Non. À une pieuvre. Un grand octopus. Oui, allô? Monsieur Whitehead, Turner. Je viens de me faire sonner les cloches par mon directeur. J'en suis désolé, Turner, mais vos papiers sont tendancieux. Vous auriez dû venir me voir. On ne parle pas sans être sûr de ce qu'on avance. Écoutez, je le voulais, mais c'est Corey qui m'en a empêché sous le prétexte qu'il pouvait répondre à mes questions. À propos de quoi? De l'enquête de la commission maritime. Soyez plus précis, monsieur Turner. Qu'y avait-il dans le dossier? C'est à Corey de vous le dire. Oui, mais je veux l'entendre de votre bouche. Pour être franc, ils n'en sont qu'aux hypothèses, mais ils commencent à penser que les travaux sous-marins pourraient être responsables de tous ces accidents. Sans aucune preuve, si j'étais à votre place, Turner, je me méfierais. C'est exact, j'ai pas de preuve encore, mais je vous garantis que j'ai l'intention d'en trouver. D'accord, Turner, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de continuer cette discussion. Mais si vous persistez, alors prenez un avocat, car votre carrière sera terminée pour vous. Très bien, c'est noté, mais aucune pression venant de vous et de qui que ce soit ne pourra rien changer à ma détermination. Je veux savoir et je saurai. Tommy! Tommy! Allons, dépêche-toi, on va manquer la course. J'arrive! Tu reviendras chercher ce qui reste. Tiens, Jamie, mets ça à côté de toi. Tilly, je ne sais comment te remercier pour le petit. Tu es si gentil avec lui. C'est difficile, tu sais, même en travaillant beaucoup, d'arriver à s'offrir ce qu'on veut. J'aimerais tant venir avec vous. Vois ton patron et viens nous retrouver. Tu sais que Jimmy et Tony s'entendent très bien. Ils sont inséparables. Je ferais bien d'y aller. On va louper la course. Tu as raison. Bonne chance. Merci. Et ne te fais pas de soucis. Nous allons bien nous amuser. Mon chéri, fais attention. Oui, maman. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Au revoir, madame. 6 heures que Vicky est parti à la recherche de sa sœur. Où sont-ils actuellement? Je ne sais pas. Comment, vous ne savez pas? Le dernier contact radio date d'une heure. On devrait essayer de les contacter à nouveau. Quoi de neuf? Rien pour le moment, shérif. Ça, c'est à cause de ces banlieues de travaux. Des types comme Corey mériteraient d'être pendus. Je me fiche de Corey. Retrouvons d'abord ma femme. Thank you.
le moteur. Vous devriez rester à l'intérieur, madame. Non, je reste ici. Sam, où es-tu? Sam, thank you.
Pas mal de choses que vous avez oublié de mentionner. Si j'avais su que nos expériences allaient provoquer un tel scandale, je vous assure que j'aurais été plus méfiant, monsieur. De quelles expériences est-ce que vous parlez? Oh, votre question m'étonne. C'est vous qui m'étonnez, Corée, et je vous prierai d'éclairer ma lanterne au sujet de ces expériences. Eh bien, voilà. En fait, j'ai oublié volontairement certains tests imposés. Mais je l'ai fait uniquement dans un but de simplification. Pour aller plus vite et donc pour économiser de l'argent. Corée, écoutez bien ce que je vais dire. Vous allez me faire faire tous les tests et tous les essais exigés. Les décisions ici, c'est moi qui les prends. Tâchez de ne pas l'oublier. Si je ne vous ai pas renvoyé, c'est que je ne peux pas à ce poste vous remplacer du jour au lendemain. Vous pouvez disposer. C'est bien compris. Si quelqu'un vient se renseigner sur l'état des travaux, envoyez-le moi. C'est moi le patron. C'est ma responsabilité qui est engagée, pas la vôtre. Je salue tous les
C'est une pieuvre géante. Je ne peux rien dire de plus, il faudrait avoir d'autres photos. Et moi qui avais toujours pensé que les pieuvres n'attaquaient pas les hommes, ce serait faux alors. Ça n'est pas faux. Si elle a attaqué, il y a une raison. Est-ce vrai que les ventouses des tentacules font autant de dégâts que les griffes d'un tigre? Comparé aux ventouses des tentacules, les griffes ne sont rien, Monsieur Turner. Rien. Excusez-moi de vous interrompre, messieurs. Ned, je te cherche depuis une heure. Je me demandais où tu pouvais être. Ah oui. J'ai pris ma journée. Je veux aller voir les enfants. Ne voudrais-tu pas venir avec moi par hasard? Nous manquerons le départ, ça c'est certain, mais si on ne tarde pas, nous arriverons à temps pour l'arrivée. Les régates. Mon Dieu, sur combien de kilomètres s'étend l'interdiction des gardes-côtes? 50 kilomètres, juste de notre secteur. Une pieuvre, géante ou pas, s'éloigne-t-elle beaucoup de son repère? Si elle est devenue folle, qui peut savoir? Dick, viens. On va demander aux gardes-côtes d'étendre la zone déclarée dangereuse. Il faut suspendre la course. Qu'est-ce qui se passe, Ned? Je veux savoir. Will, vous seul êtes capable de la détruire. Y arriverez-vous? Oui, mais comment? Je n'en sais encore rien. Rien du tout. De toute façon, je vous tiendrai au courant. À hélicoptère 1482. Arrêtez les régates des juniors à Solana Beach. Faites rentrer immédiatement tous les bateaux. Terminé. Ça se passe en Sicile, en Italie. Un touriste dans sa belle Cadillac est arrêté par des bandits. On le fait descendre de voiture, on le fait déshabiller, on lui prend son portefeuille, on lui prend son costume, on lui prend sa Cadillac. Et il se retrouve nu comme un verre. Alors, pour gémissant, il dit au chef des bandits, « Vous pourriez au moins me laisser quelque chose ?» Alors le chef des bandits se retourne, regarde chacun des membres de sa troupe, il hésite un peu, et dit à un grand escrogriffe basané, tout noir de poils, qui ruminait des mâchoires. « Allez, César, sois humain, va, rends-lui son chewing-gum. » Vous la connaissiez pas, hein? Et celle-là, vous la connaissez? Quel est le compte pour un électricien? Eh bien, c'est d'être foudroyé du regard. Une histoire courte. Le comble pour un arbre, c'est être dur de la feuille. Vous, bien sûr, vous le saviez parce que j'étudiais bien à l'école, mais moi, j'étais un âne. Je ne faisais que des bêtises et je me faisais souvent tirer les oreilles. Remarquez que ça m'a beaucoup aidé pour tenir mes lunettes. William et John pêchent. Sa mort, William dit à John, c'est un congre. Thank you.
Comment reconnaît-on un écureuil d'un piano? Eh bien, c'est très simple. On les met tous les Tommy, deux au pied d'un arbre. Réponds-moi. Tommy, est-ce que tu m'entends? Celui qui monte, c'est l'écureuil. Tommy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous revenez? Tu m'entends, Tommy? Tommy? Dis-moi ce qui se passe, je n'entends plus rien. Je t'en prie, chérie, réponds. Vous n'avez pas prévenu les parents de ce qui s'est passé? Non, ils savent. Maman, viens! 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 Maman, viens!
Merci les enfants, allez, avancez. Julie, ici, maman. Tommy. Jimmy. Mais où est passée ma petite fille, Carola? C'est fini maintenant, n'y pense plus, mon chéri, n'y pense plus. Qu'est-ce que... Tommy! Tommy! Oh, mon chéri! Mon chéri! Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre? Qu'on fait? Regarde si les haut-parleurs fonctionnent. On attend. Pense à ton médicament. Comment vont les épaulards? Non, ça va. Disons, un peu nerveux. Non, je te remercie. Il vaudrait mieux éviter de leur donner trop à manger pendant quelque temps. Will, si tu veux mon avis, la pieuvre ne reviendra plus dans son repère. Du pari. Ah, voyons, je ne t'apprendrai rien si je te dis que les pieuvres sentent le danger. Elle n'en reviendra pas. Oui, mais celle-ci est particulière. La nôtre a attaqué l'homme. Elle se croit la plus forte. Elle va l'attaquer à nouveau. C'est un animal. Elle n'aurait probablement jamais tué si elle-même n'avait pas été agressée. Chut. C'est Capri. C'est aussi un animal. Non, écoute-le. Il a beaucoup de choses à me dire, sûrement. Lui, c'est Venise. Hé, tu ne te rappelles pas, il y a 3 ans? Non. C'était bien avant que tu arrives. Je me souviens quand j'ai commencé à les dresser. Et ils ont fait entendre des petits cris aigus. Et puis ça a été un sifflement. Et l'année dernière, c'est devenu une sorte de murmure très très doux. Je comprends ce qu'ils disent. Et eux aussi me comprennent. Des fois, ils me disent des choses un peu équivoques.
Comment te diront-ils que la pieuvre est là? Ne t'en fais pas. Je crois t'avoir dit, il y a un bout de temps, que leur cerveau ressemblait au nôtre. Aussi gros et aussi développé que le nôtre. Et ils sont en contact avec deux mondes différents. Un, l'air qu'ils respirent. Deux, l'eau, la mer où ils sont nés, et où se trouve leur nourriture. Et où se trouve leur ennemi. Maintenant, mon ennemi. Will, je n'ai jamais compris pourquoi ils s'appelaient Capri et Venise. Pourquoi pas Castor et Pollux? C'est simple. Vicky adorait Capri. Et plus encore Venise. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Je voudrais vous en dire plus. Mais de bons amis ont été tués. Et la femme que j'aimais. J'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, plus que jamais. Je me souviens la première fois où je vous ai vu, quand j'ai commencé à vous dresser. Nous nous sommes très vite compris, car vous êtes d'excellents élèves. Ceux qui disent que vous êtes les charognards de la mer n'y connaissent rien. Vous êtes des êtres indispensables. Vous avez plus d'amour dans votre cœur. Plus d'affection et de tendresse que la plupart des êtres humains. Pour ces raisons, je vais encore vous demander quelque chose. Je n'ai personne d'autre à qui le demander. Tuez cette pieuvre. Tuez-la. Et vous serez libre de ne plus revenir. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais si je vous lâche et que... Mais que vous partiez... Je veux que vous sachiez que je comprendrai. Bon, ça suffit, assez bavardé. Je vais vous laisser. Il est l'heure de se reposer. Si vous voulez me parler, appelez-moi. Je sais, les gens pensent que je suis fou. Peut-être que je le suis. Peut-être.
Et Polar. Ils sont vivants, vivants. Oui, et ils fichent le camp. Allons-y, Mike. Elle est ici. Allons l'attaquer.
Thank you.
pilotage automatique. Comment te sens-tu? J'ai eu des jours meilleurs. C'est notre troisième jour. Continue à chercher. Bon. Ça ne servira à rien. Tu sais, Mike, j'ai envie d'aller en Afrique. En Afrique? Oui. Que dirais-tu d'un safari? Ce serait agréable, non? Se retrouver sur la terre ferme et chasser les éléphants, les tigres et les lions. J'en ai assez de l'eau et des monstres marins. Et c'est une bonne idée, Will. Mais tu sais bien que tu n'iras pas. Et qu'est-ce qui nous empêcherait d'y aller? Nous avons mené à bien notre mission. Et tu sais, on pourrait peut-être demander à Turner de venir avec nous, sans sa sœur. Oui, pourquoi pas. Je rêve, c'est pas vrai. Alors on est revenu. Ils sont revenus, c'est incroyable. Allez, fichez-moi le corps! Ils sont drôles! Hé! Venez, venez! Hé, venez, suivez-nous! Venez! Tu pourras plus t'en débarrasser!